Dans la partie continentale de Chine, plus de 1 500 nouvelles infections locales à la COVID-19 et plus de 22 000 cas asymptomatiques ont été relevés. Le centre des affaires de Shanghai a enregistré 824 infections, soit plus du double de la veille. Dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, on a dénombré 617 cas. C'est la première fois que Shanghai dépasse le Jilin en tant que région ayant le plus grand nombre de cas quotidiens lors de la récente épidémie survenue dans la partie continentale de la Chine. Quant à l'augmentation quotidienne des cas asymptomatiques dans la mégapole, elle reste la plus élevée puisqu'elle a dépassé les 20 000 cas pour la première fois. Shanghai reste sous confinement temporaire. Plusieurs milliers de médecins venus de toute la Chine ont été dépêchés dans la mégapole pour prendre part à la lutte sanitaire.